Bonsoir. 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 Étant un appel à l'émancipation, à la transgression et à la célébration du vivant, nous sommes très heureuses et fiers que Forcys ait été élue. Nos écritures à trois têtes, basées sur nos pratiques que sont le mouvement, le son, la lumière, mettent en avant la force du travail collectif, ce que porte notre trio. Écrire à trois n'est pas simple à défendre, tant le monde de la communication aime l'efficacité d'un nom seul. Et non, nous sommes trois. Et même, Forcys est une téméraire, guerrière, chamane cyborg, à neuf têtes. Ce prix revient donc au talentueux et intrépide Daniel Barkhane, Mercedes Dassy, Joël Baqueta, Marie Artamonov, et aussi Stéphanie Barboteau et Claire Alex de Bloom Project, sans qui il serait impossible de faire exister notre travail. Merci à toutes pour votre engagement sans faille. Merci à nos familles, à Natalia, à Vinciane pour son accompagnement précieux, au public et ses intenses retours, merci à l'équipe des Brigittines, et bien sûr merci à Patrick pour sa confiance, ses prises de risques et son soutien indéfectible. Parce que nous étions fiers d'être nominés auprès de deux artistes passionnantes, nous voulions partager ce temps de parole avec Lara Barzac et Angélène Paroline. Bonsoir. La Fédération Wallonie-Bruxelles est dynamique, riche et singulière. Pourtant, le budget qui lui est octroyé est maigre et les structures de coproduction trop peu nombreuses, plongeant ce secteur dans une fragilité et une précarité permanente. Nous survivons avec des temps de création réduits, avec des équipes réduites au minimum, pas toujours viables, supprimant des postes à la dramaturgie, la scénographie, la création costume, la production, la direction technique. Le secteur tente de tenir bon. Mais à quel prix et jusque quand? La danse s'exporte à l'international et pourtant, hormis quelques rares exceptions, elle a encore bien du mal à trouver sa place sur son propre territoire. La place du corps dans notre société nous semble, sans doute aujourd'hui plus que jamais, un enjeu primordial qui ne devrait pas être une histoire d'exception. En ce temps de crise, nous aimerions que l'on puisse ensemble faire l'exercice de la curiosité, de l'ouverture, et que la culture puisse continuer à être un espace de résistance et d'utopie nécessaire à la construction et l'imagination d'un monde plus juste et sensible. Lors des nominations, une vague de soulèvement s'est exprimée autour de la question de la diversité et de la visibilité des personnes racisées dans notre secteur, et plus particulièrement autour de l'événement qui nous concerne aujourd'hui, à savoir ce prix de la critique. Face à cet éclairage judicieux, nous regrouper en une parole commune, nous est apparu une évidence. L'année dernière, Priscilla Haddadé a lancé un message clair. Où sont les personnes non blanches dans le secteur culturel? Que ce soit au poste de direction, d'administration, de la technique, de l'artistique, de la critique ou des nominés de ce prix. Le message était très clair, mais la question reste, où sont ces corps et ces voix? Après l'émergence de mouvements tels que hashtag MeToo et Black Lives Matter, il est impossible de passer à côté de ces problématiques et de les ignorer. Le secteur culturel se doit d'être un espace de partage et d'expression libre, de solidarité et tant que faire se peut d'inclusion. Nous, porteurs et porteuses de projets, aimerions qu'il y ait des nouvelles règles de fonctionnement. Que notre milieu ne soit pas un milieu fait d'exception, que les minorités soient plus exposées et valorisées, donnant peut-être aussi l'opportunité à des autres personnes issues des minorités de se identifier, de se reconnaître et donc de rêver à des métiers dans le secteur culturel. Au-delà de toutes ces questions évoquées précédemment, il y a quelque chose d'essentiel que nous aimerions inscrire dans nos devoirs en tant que citoyens et acteurs du monde culturel. Nous devons nous affairer à désapprendre et déconstruire les schémas inscrits insidieusement dans nos esprits par l'histoire de nos pays. Pourquoi ne pas commencer par prendre le temps d'écouter, de regarder et laisser la place et la parole aux invisibilisés du secteur culturel? Nous ne souhaitons plus cette invisibilisation des corps. Merci. Merci.